Salut les gotes et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie dont on reçoit un pro 2 avec Jérôme Coppel. On va parler aujourd'hui de sa carrière avec ses anecdotes ainsi que son regard sur le cyclisme d'aujourd'hui. On finira par la minute cash, donc restez bien accrochés jusqu'au bout. La vidéo sera plus courte que la semaine dernière, mais il y a des choses hyper intéressantes, alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour la minute cash. Quelle est ta plus grande fierté ou ton meilleur souvenir au cours de ta carrière de pro? J'ai un seul ou j'ai le droit d'en dire deux rapides? Oh, tu peux en dire deux, hein. J'en ai même, on va dire, trois. Mon titre de champion de France, parce que j'ai été champion de France, du coup, junior, espoir et pro. Ma médaille au championnat du monde, bien sûr, parce que c'est pareil, j'ai été deux fois médaillé en espoir, et ça faisait chez les pros aussi. Mais si je devais sortir finalement un seul souvenir, ce n'est pas une victoire du tout, c'est la fois où j'ai terminé mon premier Tour de France. Pas le départ, mais le premier tour, je ne l'ai pas terminé, je suis tombé malade. Et le deuxième tour en 2011, j'ai fini. Et une fois que je suis arrivé sur les champs, que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai vraiment eu l'impression d'appartenir à un cercle fermé de coureurs qu'on fait un truc. Alors, on change pas le monde, on fait que du vélo, mais d'appartenir à un cercle de coureurs un peu fermé, qu'on fait un truc un peu extraordinaire. Ça, c'est mon souvenir all-time, quoi. Et c'est finalement pas un résultat. Ouais. Et est-ce que tu as un plus grand regret? Ouais, ça, j'en ai plein. Ouais, des regrets, j'en ai plein. Un, ça serait de ne pas être allé à l'étranger plus tôt. Deux, c'est de ne pas connaître tout ce que je connais maintenant pour reprendre le fil de ma carrière. Ça doit être le regret de tout le monde. Et puis l'autre, c'est de m'être concentré sur le classement par étape, les classements généraux, quoi. D'accord, J'aurais ok. dû faire une carrière, alors sans comparaison de performance, mais dans l'idée, faire comme Tony Martin, c'était un peu mon rival chez les jeunes, qui a fait les courses d'une semaine, mais qui le reste du temps s'est concentré sur les chronos. J'aurais dû faire ça et j'aurais éventuellement, je pense, pu gagner un grand chrono sur un grand tour ou même une étape. Mais du coup, voilà, je me battais pour faire autour de la 10e place du Tour de France. Alors, j'étais trop proche pour prendre les échappées, mais pas assez fort pour gagner une étape à la pédale. Voilà, je pense que j'aurais pu gagner des étapes en me concentrant que sur les chronos et en perdant du temps le reste du temps. Très bien, OK. c'est intéressant ça, sachant qu'en plus tu as fait une grosse perf sur un Tour de France notamment, d'entre guillemets regretter vraiment de te concentrer sur le classement général, c'est un peu paradoxal. Ouais, c'est paradoxal, mais en fait, je me suis rendu compte trop tard que mes capacités physiques n'allaient pas me permettre de faire un podium, quoi, ou un top 5. Mais ça, c'est pas quand tu es pro, tu penses que tu vas progresser d'année en année et que tu vas y arriver à gratter les 2-3 places toutes les années. Mais finalement, non. Et puis moi, j'ai vraiment eu une bascule justement quand Sky est arrivé. Donc l'année où j'ai fait 13 du tour, c'est Cadel Evans qui gagne. Sky était là, mais Wiggins s'était cassé la clavicule, donc ils avaient changé leur manière de courir. Mais après, ce rouleau compresseur, ça ne me convenait pas du tout, pas du tout. J'arrivais pas du tout à gérer ce tempo qu'ils avaient, ce rythme. Donc j'étais plus tout le temps un peu en survie qu'avant. C'était plus la bagarre dans l'école. Il y avait moins une équipe qui cadenassait tout. Ça me convenait mieux, cette manière de faire, que quand Sky sont arrivés après, quoi. Fais gaffe, il y a un grand fan de Sky Ineos là. Ah ouais, non, mais alors je les admire, Alors Sky non plus, j'adore leur non. manière de travailler, mais Sky non, mais Sky non, c'est à titre perso, Sky non, je ne suis pas fan, c'est mes pires souvenirs en tant que fan de cycliste. Par contre, ouais, Ineos avec Pidcock, Sheffield, etc. C'est vrai que là, par contre, je suis vraiment ça hype, change. etc. Ça change. Et d'ailleurs, quelle course t'aurais rêvé gagner pendant ta carrière? Il y en a deux. J'aurais aimé, que ça soit amateur ou pro, j'aurais rêvé d'être champion du monde. D'ailleurs, en 2006, quand j'ai fait troisième des championnats du monde, j'aurais pu passer pro en 2007. Avec mon entraîneur, on s'était mis d'accord pour refaire une année parce que justement, je n'avais pas un gros feedback cycliste encore, comme j'avais commencé tard, pour essayer d'aller gagner le titre de champion du monde espoir. Bon, je fais trois, mais les deux qui étaient devant étaient déjà pros, Lars Boom et Ignatieff. Donc, bien sûr, quand tu fais le Tour d'Italie et moi qui faisais des courses amateurs, le niveau n'était pas le même.
Donc, que ça soit amateur ou pro, j'aurais rêvé d'être champion du monde chrono. Et après, vraiment, en course, c'était Critérium du Dauphiné. C'est vraiment la course de ma région. Elle passe sur mes routes d'entraînement toutes les années. Encore cette année, ils sont passés à je sais pas, 5 km de chez moi. Voilà, celle-ci, j'aurais rêvé de la gagner. En plus, tu avais fait des belles perfs sur le Dauphiné. Et d'ailleurs, en Ouais. 2015, tu penses que tu aurais pu être champion du monde ou pas? Non. Non, Non? non, non. Honnêtement, moi, quand je suis parti au départ, je pensais faire entre 7 et 10. Ça, je me suis dit, si je fais entre 7e et 10e, c'est une grosse perf et je suis à ma place. Ou d'ailleurs, s'il y a un bookmaker qui avait parié ce podium-là dans l'ordre, à mon avis, il ne doit plus avoir besoin de travailler maintenant ou pas loin. Mais Tom Dumoulin est passé au travers, Cancellara n'est pas venu, Tony Martin est passé au travers. Rohan Dennis a crevé et moi je fais troisième pour je ne sais plus 2 ou 3 secondes devant Castroviejo. Ouais. Enfin voilà, si entre Cancellara qui n'est pas venu, Rohan Dennis qui crève, Dumoulin, Tony Martin qui passe au travers, alors, ça fait 4, bah, j'aurais fait 7. Voilà, plus ou moins, ça aurait dû être un peu. Mais après qu'il passe au travers, ça arrive à d'autres Oui, aussi. bah. Donc ça, c'est des faits de course. Mais Rohan Dennis, par exemple, aurait terminé devant moi sans sa crevaison. Mais bon, voilà, mettre Mallory deuxième et puis je ne sais plus comment il s'appelait qui a gagné. C'est pas Kerenka qui est champion du monde cette année-là? Kyrianka, ouais. Donc Kyrianka, Mallory, Coppel, ça laisse lever de bonne heure pour le trouver celui-là de percer. Vrai. Dans ta période où tu étais pro, est-ce qu'il y a un coureur en particulier, qu'il soit français ou étranger, hein, qui t'a marqué le plus, quoi, qui ou tu. Bon, tu nous as parlé de Tony Martin, mais. Ouais, si je dois en sortir un, moi c'est Valverde. Valverde, en plus je m'entends bien avec lui, mais il était là tout le temps. Il dégageait une telle sensation de puissance que, enfin, c'était incroyable. Et sur toutes les courses, j'ai fait un tour de Murcie avec lui. Il m'avait rattrapé dans une descente, donc il nous restait, je sais pas, peut-être 20 km avant d'arriver au pied de la bosse finale. Je pouvais pas lui prendre un relais, c'était impossible. Il dit, allez, Jérôme, mène-moi. Je dis, mais je peux pas. Enfin, tu roules trop vite, c'est pas possible. Résultat, il dit, bah, si tu roules pas, je roule pas. Bah, ok, on s'est fait rattraper au pied de la bosse. Donc, moi, je pète et j'entends vainqueur Valverde. Voilà, donc, il avait roulé 15 km tout seul, on se fait rattraper, il gagne encore l'étape. Et puis après, un autre, c'est Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, Idole. parce que, Ah, ouais, t'as un grand fan avec et toi aussi, Thibaut Pinot, là. Antoine, ouais. t'es. Là, j'ai une petite anecdote, je suis même quasi sûr que lui ne s'en rappelle même pas. On a un peu de temps. Genre, Ouais, là, deux, trois j'ai pas eu minutes. l'alerte encore. Ça te met Là, une ouais. alerte quand il reste 10 minutes. OK. Donc lui était encore amateur. Nous, on faisait un stage à l'Alpe d'Huez avec la Française des Jeux pour préparer le tour, donc 2009. Il a dû passer pro en 2010 ou 11, je ne sais plus, Thibaut, quelle année il est passé. Bref, 2009. 2010. Ouais, donc 2009, donc l'année avant qu'il passe pro, il vient faire un stage avec nous. Je faisais chambre avec Sébastien Joly à l'époque, qui est directeur sportif, et ils OK. avaient mis Thibaut Pinot dans notre chambre. Et donc, on avait peut-être déjà fait un jour ou deux de stage, je ne sais plus quand il est arrivé. Donc c'était plus ou moins l'équipe prévue au tour. Donc là, on est au mois de mai à peu près, ouais, avant le Dauphiné. OK. Et puis, bien sûr, les premières étapes, il nous suit. Nous, on se dit, il marche quand même pas mal, hein, le petit jeune et tout. Mais voilà, avec l'envie des pros, tout ça, il n'avait pas encore gagné le Val d'Aoste et tout ça allait arriver après. Et le dernier jour, donc on remontait tous les jours à l'Alpe d'Huez. Et le dernier jour, Christophe Lemaivel devait faire un test dans l'Alpe d'Huez. Donc, il dit, bah, moi, je dois faire mon test, je monte vite, etc. Il part et Thibaut part avec lui. Et nous, on monte tranquille, donc très vite, on ne les voit plus. Et quand on arrive dans la chambre, je dis à Thibaut, t'as pété où? Puis il me dit, ouais, bah, je sais pas, ouais, 1 ou 2 km du haut, hyper vague comme ça. Et là, je me dis, putain, il a pu tenir tout jusqu'à 1 ou 2 km du haut. Puis je dis, non, mais t'as pété où? Il dit, ouais, je sais pas, 1 km. Je dis, mais t'aurais pu rouler plus vite? Et il a un peu bégayé, genre, ouais, non. Et là, je me dis, putain, il a 19 ans. Et Ouais. Christophe Lemaivel allait faire 10e du tour après. Donc à 19 ans, il aurait pu suivre même peut-être. Alors, il faut comparer Oui. la fraîcheur, Ouais. etc. Mais à 19 ans, il pouvait suivre dans une montée de l'Alpe d'Huez, le gars qui allait faire 10e du tour derrière.
J'ai dit à Sébastien Joly, c'est le plus gros moteur français que j'ai vu de mes yeux en pédalant, quoi. J'ai pas vu tout le monde, mais là, il m'a bluffé, quoi. C'était sûr qu'il allait faire carrière, c'était sûr. Non, pas mal l'anecdote. Et du coup, une question un peu banale, on va dire. Que penses-tu du business actuel quand on sait que quand tu courais avec Sky qui contrôlait tout et tout, maintenant on est dans un cyclisme un peu plus offensif pour Gacha, Remco et tout. Qu'est-ce que toi t'en penses? J'imagine que tu dois apprécier. Ouais, je suis complètement fan du vélo qu'on voit maintenant. Voilà, on a des Evenepoel, Van Aert, Van Der Poel, Pogacar qui sont prêts à attaquer à 60 km, 70 km de l'arrivée, à tout faire péter, quitte à tout perdre. Julien Alaphilippe, bien sûr. On a vraiment, voilà, on a connu ces années où tout était cadenassé et on savait plus ou moins le scénario de la course à l'avance. Là, on peut être surpris à tout moment. On ne sait jamais quand ils vont dégainer. Donc ça, c'est vraiment cool. Je pense qu'en plus, on est face à une période du cyclisme, enfin, un âge d'or, je ne sais pas si on peut appeler ça un âge d'or, mais on a quand même des coureurs hyper jeunes, talentueux comme on a rarement vu. Si on prend Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Van Aert, Van Der Poel, c'est des monstres, c'est des monstres qu'ils sont capables de faire, c'est complètement incroyable. Alors oui, du coup, c'est le revers de la médaille, c'est que c'est toujours un peu les mêmes qui gagnent et qui dominent, eux et leur équipe. Donc ça, c'est un peu le revers de la médaille, mais on assiste à des trucs qui sont complètement incroyables. Mais pour en discuter avec certains pros, ben voilà, ça laisse pas grand-chose aux autres, quoi. Si je reviens à l'époque où j'étais chez les pros, ouais, Sky dominait, mais surtout les grands tours ou les courses par étapes, le général plutôt. Après, le reste du temps, il laissait quand même un peu de mousse. C'est les premiers qui laissaient des échappées de 20 ou 30 coureurs partir. Donc, il y avait quand même de la place pour aller gagner quelques trucs. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a plus trop de place. Vous avez un Pogacar, il va se battre comme un chiffonnier pour aller gagner enfin, ou pour faire deuxième d'un sprint ou pour aller gagner une étape dans un petit groupe. Voilà, Wiggins faisait pas ça, quoi. Sur le tour, ça arrivait 20 mecs et voilà, il n'allait pas faire le sprint. Mais ouais, moi, j'adore parce que tu allumes ta télé, tu sais jamais ce qui peut se passer. Après, heureusement qu'il y a les grands tours comme le Giro où c'est souvent les échappés qui gagnent et du coup bah, il y a un peu plus Ouais. de un peu plus de suspense. C'est ça, mais le enfin, ça, je pense que il faudrait remonter des années en arrière et tout regarder, mais je pense que c'était déjà le cas un peu à mon époque, le Tour de France. Il y a tellement d'enjeux, alors encore plus pour des équipes françaises. La réussite d'une équipe, elle se joue sur le Tour de France. On parlait de sort. Nous, on avait fait l'année où je fais 13 du Tour, un super début de saison, super fin de saison. Le Tour, bah, j'avais fait 13, mais on s'en fout un peu. Bah, notre saison, pour tout le monde, elle était ratée. Alors qu'on était l'équipe française qui avait gagné le plus de courses. Mais on n'avait pas gagné d'étape au Tour. On n'avait fait que 13e du général. Donc, c'est pour ça que ça neutralise un peu la course, le Tour. Il y a tellement d'enjeux, il y a trop d'enjeux. Le Giro, il y avait énormément d'enjeux. La Vuelta aussi, mais c'est beaucoup plus débridé. C'est, moi, je trouve presque plus sympa à regarder. Ok. Ok. Bon, mais Et on... là, il y aura juste la dernière question. C'est par rapport à Netflix. Tu as déjà parlé, tu as dit que tu avais regardé la série. Tu avais déjà regardé la série. Est-ce que tu trouves globalement que la couverture médiatique au niveau du cyclisme est suffisante? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose l'arrivée aussi de Netflix dans le vélo? Alors, moi, je pense que c'est une très bonne chose l'arrivée de Netflix parce qu'on sait que c'est un sport compliqué pour trouver des sponsors, etc. Donc, s'il y a plus il y a de couverture médiatique, plus on parle du vélo, mieux c'est, plus ça va attirer des sponsors. Ça, c'est vraiment génial. La série, j'ai bien aimé. Alors, bien sûr, elle a une orientation un peu plus, on va dire, grand public. Ils veulent attirer certainement de nouveaux suiveurs du cyclisme comme pour la Formule 1. Un truc que j'ai moins aimé, c'est le fait que voilà, on part sur une étape, on voit une étape, puis deux ou trois épisodes plus loin, on revient de nouveau sur cette étape. Je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas trop suivi le tour, ça devait être un peu compliqué de tout regarder. Et j'aimerais qu'ils aillent un peu plus loin. Alors ça, c'est peut-être qu'ils voulaient, mais que les équipes ou les coureurs n'ont pas voulu, qu'ils aillent un peu plus loin, qu'on apprenne un peu plus à connaître, je sais pas, un Vingegaard dans sa vie de tous les jours, comment il est. Comment on prépare le Tour de France? Voilà, comment dès le mois de décembre, ils vont décider 10, 12, 15 mecs présélectionnés pour le Tour, comment ils vont faire leur programme d'entraînement pour aller au Tour, etc. Ouais, qu'ils aillent un peu plus dans le détail, ça sera peut-être pour la saison 2. Mais moi, j'ai plein de soit de membres de mon centre ou soit d'amis qui ont regardé la série alors qu'ils ne suivent pas le Tour et qui ont bien aimé. Donc ça, c'est gagné déjà. Ok.
Parfait. Donc, on va passer à la minute cash, dernière partie de cette vidéo. Tu réponds par oui ou par non. Ce n'est pas très compliqué. Thibaut Pinot aurait-il gagné le Tour de France sans son abandon? Oui. Un Français gagnera-t-il le Tour dans les 5 prochaines années? Non. Jérôme Coppel un jour manager d'une équipe française? Oui ou non? Non. Marc Madiot est-il un des meilleurs managers du monde? Du monde? Allez, oui. Est-ce qu'un Français remportera un monument flandrien dans les 5 prochaines années? Oui. Est-ce qu'Alaphilippe remportera Liège-Bastogne-Liège dans les 5 prochaines années? Non. Le cyclisme peut-il un jour être le sport le plus populaire au monde? Non. Pogacar finira-t-il sa carrière dans des standards similaires à Hinault ou Merckx? Oui. Jérôme Pinot est-il 100% responsable de la du drame BNB? Non. Hirschi retrouvera-t-il son niveau? Oui. Lenny Martinez gagnera-t-il un grand tour? Oui. Le cyclisme en 2023, c'est plus intéressant qu'en 2015? Oui. Y a-t-il trop d'argent dans le cyclisme? Non. Est-ce qu'un jour les GOAT à la française seront un média majeur dans le cyclisme? Oui. Bien sûr. Parfait. Bon, ben, Merci beaucoup. voilà, on te Merci. remercie. Je vais arrêter. Je vais Bonne arrêter. Enfin, on te remercie vraiment pour d'avoir accepté de participer à cette vidéo. C'est super Ah, sympa de c'était ta cool, part. merci. C'est vraiment tout plaisir et pour nous. Merci beaucoup. Eh bien, c'est déjà la fin de la vidéo, les gars. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. C'est comme ça qu'on continuera et qu'on pourra continuer à faire d'autres interviews. En tout cas, abonnez-vous. Surtout, ne ratez rien. De belles vidéos arrivent prochainement. Merci encore à Jérôme Coppel. Cette vidéo était incroyable. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite. Salut, les gars.